y a bien longtemps, dans une petite ville du Sud-Est, où se promener avec un filet papillon ne faisait sourire personne. Sur les collines avoisinantes, nous constations une abondance providentielle de papillons. D'autres bestioles ont réjoui ma vie de naturaliste amateur durant un demi-siècle. Les décennies s'écoulèrent inexorablement et je constatais que mes insectes étaient nettement moins nombreux depuis une vingtaine d'années. Pourtant, sur ces quelques hectares examinés, pas d'agrochimie ni d'industrie chimique. Alors, quelle cause pourrait expliquer la chute du nombre d'insectes? Des coléoptères comme les lucanes sont vus plus rarement. Les capricornes sont victimes de l'augmentation de l'abattage des vieux arbres destinés au chauffage des habitations. D'autres insectes comme les libellules sont moins courantes. Raréfaction causée par l'assèchement des sols. Les verluisants, ainsi que les papillons de nuit, sont moins nombreux, en partie dus aux lumières des éclairages publics. Les pollinisateurs ont besoin de fleurs sauvages. La tonte au ras du sol est une importante destruction de la biodiversité. Certaines contraintes sont imposées pour éviter la propagation des incendies. Les broussailles doivent être rasées, mais l'herbe verte et certains arbres subissent le même sort, tandis que ces derniers recèlent une faune entomologique importante. Il y a plus d'un siècle, des lanceurs d'alerte, en particulier la communauté scientifique, nous avait alerté sur les menaces majeures que sont la perte de la biodiversité, le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. Enfin, la population des êtres humains n'a pas cessé de croître, en passant de 2 à 8 milliards, d'où une augmentation inévitable de l'urbanisation qu'il faudra maîtriser si nous voulons repousser la 6e extinction de masse qui se profile à l'horizon.